Nous avions une rencontre avec Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, sur le sujet de l'accord qui a été conclu entre la Guinée et la CDAO sur la durée de la transition. C'est un accord qui doit encore être entériné par la conférence des chefs d'État des CDAO, mais nous avons échangé sur comment on est parvenu à cet accord et les défis qui sont à pour mettre en œuvre cette transition de 24 mois qui, nous, au nom de l'Union européenne, nous avons salué et nous avons également exprimé notre souhait d'accompagner et engagement, pas seulement un souhait, mais un engagement pour accompagner les Guinéens dans la transition, y compris avec les moyens techniques et financiers qui vont être élaborés dans un commun accord. Oui, bonjour. Le Royaume-Uni aussi salue cet accord entre la CDA et la Guinée. Comme ma collègue, Madame l'ambassadeur de l'Union européenne l'a dit, il y a beaucoup à faire. Le programme, c'est très ambitieux, mais nous saluons, bien sûr, un programme de 24 mois. Et oui, nous voulons tous appuyer le processus pour réaliser une transition très rapide vers les élections. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, approchez-vous. Merci beaucoup. Merci à leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, madame, messieurs les ambassadeurs. Au nom du chef de l'État, je voudrais remercier leur accompagnement qui n'a jamais fait défaut. Maintenant, nous avons un programme qui est clair et net. Au nom du chef de l'État, nous demandons à ce que, avec la CDAO, on puisse travailler ensemble pour mettre en œuvre cette ambitieuse transition. Parce que 24 mois, quand vous voyez ce qu'il y a à faire dedans, nous devons donc tous nous mobiliser pour travailler ensemble. Et je les remercie de leur accompagnement et de leur disponibilité. La Guinée aussi est prête. Réaliser ce chronogramme, cette transition. Je préfère dire transition que chronogramme, parce que le chronogramme, ce n'est qu'une petite partie de la transition. Mais comme c'est le point focal, tout le monde se focalise sur ça. Maintenant, on en a un. Et merci encore une fois, Excellence. Et la Guinée sera au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci.